Nous sommes tout juste à l'issue du combat que Steve Jamois vient de remporter à Oupay dans cette belle soirée de boxe. Donc Steve, t'es tombé sur un adversaire qui était très difficile, qui rentrait avec sa tête et qui t'a mis quelques coups de tête. C'était vraiment difficile à boxer. Ouais, c'était difficile. Surtout, c'est pas ma boxe, quoi. Ma boxe, moi, ça allait dedans, quoi. C'est plutôt la bagarre, mais propre. Mais lui, c'était vraiment bagarre, mais n'importe quoi. Il rentrait avec ses coudes, avec sa tête. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, quoi. J'essaie de partir, mais la tactique, quoi, avec Job, moi, c'est vraiment pas ça, moi. Moi, c'est plutôt ça. Il était chiant, mais voilà. Bon, une victoire de plus. Alors maintenant, là, tu es challenger au titre national belge pour la ceinture. Donc, ton adversaire, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il a déjà été désigné? Oui, c'est Tariq Mandi, c'est un flamand. Je crois qu'il a 16 combats, 14 victoires. Il a 2 défaites à l'extérieur, 2 championnats. Je crois que c'est championnat IBF intercontinental, mais je ne suis pas sûr, c'est dans les environs-là. C'est un boxeur très technique. Il n'a pas beaucoup de KO, il a 2 KO sur 14 victoires, quoi, mais c'est technicien, quoi. Il travaille tout le temps en technique. Donc un gros championnat pour la Belgique en perspective. Voilà, soit en février, 18 février à Préal, soit je fais un round là, puis annoncer le championnat ou au contraire, quoi, mais il faut voir. Donc là, tu laisses le choix à ton team, Giuliani, GMG, qui va organiser ça correctement. Et là, tu as vraiment un gros challenge pour devenir vraiment le meilleur boxeur de ta catégorie en Belgique. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais bien d'abord venir ce championnat de Belgique, puis viser plus haut, quoi. C'est mon but. Faire comme mon frère, quoi, serait exceptionnel. Bah écoute, vraiment, nous te souhaitons vraiment le meilleur pour toi, Steve. Belle victoire encore ce soir devant un adversaire pas évident. Et j'espère que tu vas devenir champion de Belgique. Tu le mérites. Au moins, on aura encore une fois un très bon combat pour cette ceinture nationale. Merci beaucoup et bonne soirée. À toi aussi, Steve. Merci.